Bonjour, je m'appelle Mohamed et je suis architecte technique chez Société Générale depuis 2016. Mon job en tant qu'architecte technique consiste à définir et à maintenir l'architecture technique d'un système d'information, c'est-à-dire garantir sa cohérence, son évolution, sa continuité de tous les éléments qui le composent, c'est-à-dire tout ce qui est base de données, réseau, système d'exploitation. Et donc je suis présent sur toute la chaîne, depuis la conception, en passant par le développement et jusqu'au déploiement de la solution. Mon travail en tant qu'architecte technique a un impact réel et concret parce qu'il permet d'assurer l'activité de la banque et particulièrement les outils mis à disposition pour nos clients et pour aussi les conseillers en agence. La compétence clé pour un architecte technique, selon moi, c'est de faire la veille technologique qui est un vrai moteur d'innovation. Il faut avoir l'ouverture d'esprit et se mettre à jour continuellement sur ce qui se fait dans le monde informatique en termes de techno, en termes de développement, de conception et de méthodologie. Côté techno, je travaille quotidiennement avec Java et React.js, et qui sont principalement les technos qui sont utilisés aujourd'hui dans le socle unifié de l'AD ici chez Société Générale. En termes d'outils, je travaille avec Grafana, qui est un outil génial, qui permet donc de créer, de générer des dashboards pour suivre les applications en temps réel. Chez Société Générale, il y a un vrai terrain de jeu pour le projet IT. Il y a vraiment de quoi faire. Avant d'arriver dans le groupe, on n'a pas conscience de l'immensité des possibilités, des projets sur lesquels on peut travailler. Je donne un exemple sur tout ce qui est cloud interne. On a à la fois les outils, les moyens et les équipes pour le faire. C'est vraiment immense et très formateur. Sur tout ce qui est cadre de travail, on a le flex office, on a le télétravail, qui permet d'avoir un bon compromis entre la vie perso et la vie pro, et également la flexibilité qu'on a grâce à la relation de confiance qu'on a avec le manager.